Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Ouais, il y a un nouveau décor, enfin décor, c'est pas vraiment un décor. Disons que j'ai changé le bureau de place, j'ai tout changé de place. Donc là, là-bas il y a mon côté tournage de vidéo avec Canon, machin, tout le matériel. Ici ça va plus être stream, webcam, tout le blabla ou tournage basique également. Bref, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous les amis. Et oui, ça y est, hier le CES 2020 à Las Vegas a démarré. Et aujourd'hui à 2h du matin, heure française, et dans les 17h environ à Las Vegas, donc Sony, que nous attendions depuis un moment déjà, a dévoilé quelques petites informations, mais vraiment minuscules, hein, mais très croustillantes quand même, concernant la PS5. En effet, ça y est, ça a été dévoilé. On s'attendait tous, ou presque, à ce que la PS5 soit présentée au CES. Alors présentée, quand je l'ai présentée, pas forcément logo machin, ou alors carrément ils nous montrent la play ou ils font un test devant nous, mais au moins nous donner 2-3 informations. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Lors que Sony est passé donc à présenter la PS5, ils l'ont présenté pas très longtemps non plus, hein. Après ils ont présenté autre chose de leur marque Sony. Vous savez que Sony c'est le son, les télés, les téléphones, etc. Donc c'est pas que PlayStation non plus, hein. Attention à ça. Et du coup aujourd'hui on va s'intéresser, on va discuter de la PS5. Je vais également vous dévoiler, vous montrer le logo officiel de la PlayStation et les informations croustillantes à retenir concernant cette PS5 qui sortira, si tout va bien, en novembre 2020, donc cette année avant les fêtes de Noël. Voilà les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre le maximum de likes, de partage et de vous abonner, hein, pour vraiment me soutenir un maximum, et que comme ça vous recevrez toutes les notifications, tout ce qu'il faut, etc. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, ok? Bien, sur mon site dylantechnology.net, je recrute des rédacteurs et des rédactrices, donc site d'actualité high-tech, technologie et gaming. Donc n'hésitez pas à postuler, lien dans la description. Et j'ai fait un sondage également, si vous pouvez y répondre s'il vous plaît, c'est concernant un site de musique, un site de streaming légal que j'aimerais construire. Voilà, c'est en description aussi. Bien, maintenant passons à ce qui nous intéresse le plus. En effet, c'est la PS5. Donc hier soir, hier dans la nuit, ça y est, à 2h du matin, donc Sony a pris l'antenne donc pour une heure de conférence, et les 10 premières minutes c'était donc concernant le logo de la PlayStation 5. Ça y est, le logo de la PS5 donc est apparu. Nous pouvons le remarquer là. Ici, il est beau, hein. Moi, je sais. Bah, en fait, c'est un fond noir avec PS5. En gros, c'est vrai, c'est vrai. Non, sérieux. Voilà, le logo de la PS5 est sorti. Ça y est. Cependant, une grande déception quand même pour ceux qui commençaient déjà à rêver, hein, parce que la seule annonce inédite de cette nuit sera donc l'officialisation du logo. En effet, Sony n'a rien dit de plus à part se répéter concernant ce qu'on sait déjà sur les caractéristiques techniques de la PS5, mais pas que. Ils ont aussi parlé un petit peu de leurs chiffres. Leurs chiffres, je vais vous leur dire. Comme ils ont publié, photo ici, merci Dylan. Comme ils ont publié, effectivement, les chiffres de Sony, c'est 106 millions de consoles vendues dans le monde. On parle de la PS4 uniquement. PS4, 106 millions de consoles vendues, 1,15 milliard de jeux écoulés dans le monde, les amis. Encore une fois, c'est uniquement sur PS4. Ensuite, 5 millions de PlayStation VR vendus. Ça revient pas énorme, hein, quand même, sur les 106 millions de consoles. 103 millions d'utilisateurs actifs par mois. Donc sur 106 millions, j'ai envie de vous dire, ça va, hein, vraiment. Et 38,8 millions d'abonnés au PS Plus. Ça fait vraiment pas beaucoup non plus sur 106 quand même, hein. Bref, voilà, ça c'est en chiffres la PlayStation 4 jusqu'à aujourd'hui. Bien, alors qu'est-ce qu'on sait du coup concernant cette fameuse PS5? Donc, un logo blanc sur un fond noir. Ok, comme fut le logo de la PS4 en 100 ans en février 2013 quand elle était sortie. Enfin, quand elle était dévoilée, pardon. Ok, on sait que cette fois, donc, Sony n'attendra pas un événement dédié pour officialiser son logo, vu que ça y est. On sait que la police d'écriture de ce logo est très proche de celle de la PS4. Un logo, donc, qui semble déjà connu de tous, hein, voilà, une version similaire avait déjà été utilisée, ou même pour des trucs et tout, etc. Donc ça c'est le logo officiel. Ok, maintenant concernant du coup les informations qu'on a, la PlayStation 5 hardware feature, désolé pour mon
pour mon accent anglais. Donc, qu'est-ce qu'on a au final, qu'est-ce qu'il y aura donc concernant la PS5 en information. Donc, on sait que pour le côté next-gen de la PS5, donc il y a déjà des choses à dire quand même. Donc, la PS5 sera équipée d'un système audio 3D, ça c'est super important. Elle disposera donc d'un SSD ultra rapide. Il y avait déjà des tests qui avaient été présentés concernant ça. Rappelez-vous, pour lancer par exemple, c'était quoi déjà? Attends, la vidéo c'était. Ah oui, sur Spider-Man, vous savez, le Marvel Spider-Man. Il avait été testé sur une PS4 Pro et sur la PS5 il y a quelques mois de ça. C'était un test hein, de la part de Sony. Eh bien, la PS4 Pro avait mis 10 secondes environ à lancer le jeu, alors que la PS5, elle, même pas une seule seconde. D'accord, c'était 0,48 dixième, un truc comme ça. Bref, c'est énorme. C'est énorme, ok? Bien. Donc du coup, forcément, grâce à ce SSD, ça permettra d'utiliser la technologie Ray Tracing et la lecture de Blu-ray Ultra HD, donc on parle de la 4 à 8K, sans oublier que la manette disposera de la technologie haptique et de gâchettes adaptatives. Oui, oui les amis, on pourra adapter. Par exemple, sur R2, je veux la pression numéro 3 pour qu'il y ait plus d'effets, machin. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est un peu ça. Ensuite, Sony et PlayStation ont confirmé que la PS5 donc, arriverait pour les fêtes de fin d'année 2020. Donc en gros dans les prochains mois, enfin dans les prochains mois, fin d'année du coup, voilà. Je pense qu'on a fini de dévoiler un petit peu les informations qu'on a. Donc voilà, en gros, je vais pas vous refaire une fiche technique complète de la PS5, sachant qu'on n'a pas la totalité de la fiche technique, elle n'est pas encore remplie à 100%, mais c'est surtout que j'ai fait déjà des vidéos là-dessus. Donc voilà les amis, on parle bien, bel et bien, ça y est, officiellement aujourd'hui de la PS5. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis super excité moi à l'idée de cette magnifique PlayStation. Enfin magnifique, on sait pas exactement à quoi elle ressemble non plus. C'est vrai, il y a quelques images sur internet qui traînent, etc. Il y a quelques rumeurs, quelques innovations. Enfin bon bref, on n'a pas le design officiel, on n'a aucun design d'ailleurs officiel de la PS5, hein, à part donc ce fameux logo aujourd'hui. Mais Sony, ils aiment bien au fait publier quelques petites informations croustillantes par-ci par-là au fil des mois, etc. etc. Rappelez-vous, en fin d'année dernière, hein, ils ont commencé à nous dévoiler des informations concernant la DualShock 5, etc. etc. Aujourd'hui, là, c'est le logo. Ça se trouve, il y aura autre chose le mois prochain, puis le mois d'après, etc. Histoire qu'au fil des mois de cette année, on n'oublie pas que... Il y a PS5 qui arrive là, va falloir économiser. On parlerait de 500€ la PS5, ça aussi c'est des rumeurs hein, parce que rien n'a été officiel, déclaré par Sony, tout blabla. Bon bref, voilà en bref, du coup les informations concernant la PS5. Bon, j'ai fini cette vidéo les amis, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de partage, vous abonner en activant la cloche pour recevoir toutes les petites notifications. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, ainsi que mon Discord et mon TikTok les amis. Hein, je suis très actif sur TikTok et voilà, tout est en description. N'oubliez pas donc de postuler pour devenir rédacteur chez DylanTechnology.net si vous le souhaitez et de répondre au sondage qui est dans la description. Tout est absolument dans la description de toute façon. Voilà les amis, c'était DylanTechnology. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Salut tout le monde.